Bonjour à tous, Swan Wood pour Guitare Extrême Magazine et aujourd'hui on va travailler sur quelques phrasés qui vont vous permettre de sortir de la pentatonique qu'on a tous l'habitude de manger dans tous les sens. Donc aujourd'hui on va être en mi mineur, on va principalement utiliser les quatrième et première à l'octave position du mi mineur, de la pentade mi mineur que tout le monde connaît. Donc jusqu'ici pas de surprise. Et ce qu'on fera c'est qu'on va lui apporter quelques couleurs, alors quelques chromatismes histoire de juste l'enrichir pour relier tout bêtement les notes entre elles, histoire de sortir vraiment des phrasés qu'on a tous sortis justement beaucoup trop de fois. Et également on va aller jouer la grille se composera tout bêtement d'un mi mineur puis d'un si altéré. Si altéré qui sera donc le cinquième degré de notre mi sur lequel on va jouer du do mineur mélodique ou du si altéré ou super locrien, vous le voyez comme vous voulez, c'est la même chose, c'est juste le septième mode du do mineur mélodique. Donc le mineur mélodique, qu'est-ce que c'est? En l'occurrence en do, c'est très très simple, ça va être une gamme majeure, je vous le simplifie, une gamme majeure, sauf que la tierce va être minorisée tout bêtement, tous les intervalles ça restera pareil, ou alors on peut le voir comme un dorien aussi avec une septième majeure. Les deux sont complètement viables, là c'est pas la question aujourd'hui. Donc tout bêtement, d'un point de vue du do, ça va me donner, enfin d'un point de vue intervalle même plutôt, ça va me donner tonique, seconde majeure, tierce mineure, puis le reste juste et majeur, donc quarte, quinte, juste, sixte et septième majeur. Je vous le fais entendre tout de suite. Voilà, donc on va faire une seconde d'analyse rapide de ce qui se passe. Donc ce qu'on va faire en fait, tout bêtement, ça va être d'aller comprendre ce qui se passe quand on passe du mi mineur penta, ou en tout cas penta un peu chromatique, etc., au si altéré slash do mineur mélodique. Donc l'idée, ça va simplement être d'aller analyser les intervalles l'un par rapport à l'autre. Donc si je prends ma penta de mi, je regarde mon mi, ok. Bon, c'est mon mi. Ma tonique, elle n'est pas dans le do mineur mélodique, puisque le mi est la tierce majeure de mon do. Or, le do mineur mélodique est mineur. Donc, il va bien me falloir un mi bémol plus tôt. On y reviendra. Ensuite, la tierce mineure de mon mi par rapport au do, nickel, c'est la quinte. Donc, ça passe. Ensuite, la quarte juste de mon mi, le la, ça va être la sixte majeure vis-à-vis du do. La quinte juste de mon mi, le si. Ça va être la septième majeure de mon do, et puis la septième mineure de mon mi sera tout bêtement la neuvième ou la seconde majeure de mon do, ici le ré. Ok, donc par rapport au mi, déjà on peut conserver, quand on est dans la deuxième position, on peut conserver la tierce, la mineure, la quarte, la quinte et la septième mineure, par rapport au mi toujours. Or, le mi, on a dit qu'il était bémolisé en do mineur, do mineur mélodique. Donc ce qui est intéressant, c'est justement que chaque occurrence dans ma penta normale que jusqu'ici on avait gardée classique et comme d'habitude, chaque occurrence du mi, en fait tout bêtement, on va la bémoliser, ce qui va donc nous donner, au lieu d'avoir une penta normale, une penta avec une tonique altérée, si vous voulez, simplement bémolisée, une octave bémol, quoi. Ça nous donne ça, donc je vous joue d'abord la penta normale, puis la penta altérée, en fait. Voilà, donc ça en fait, ça va être tout bêtement l'essence de notre étude aujourd'hui. On commence tout de suite, donc le premier phrasé que je voulais vous montrer, c'était là pour le coup de la penta bête et méchante, sauf qu'on va lui rajouter quelques petits chromatismes. Donc du coup, on va partir sur la septième majeure, c'est le tout premier phrasé de ce que je vous ai joué au départ. Donc on remarque les chromatismes de la septième mineure à la tonique et puis de la septième mineure à l'octave à la quinte ici. Vous aurez le PDF évidemment, le Guitar Pro dans le magazine. Donc dans le deuxième phrasé, justement, ça va être intéressant. Ce qu'on va faire, c'est jouer des double stops de la penta, donc c'est-à-dire deux notes à la fois tout bêtement dans notre penta, je vous le montre dans un instant. Et puis on va venir atterrir sur la septième majeure du mi, donc finalement cette espèce d'octave bémolisée, puisqu'on va passer à la fin du temps sur le si altéré. Ça donne ça, puis après on va juste rejoindre chromatiquement, encore une fois, la quinte. Donc
Voilà, donc on utilise beaucoup de chromatisme. J'ai fait exprès d'en mettre beaucoup dans l'étude, histoire qu'on aille un peu au bout du truc. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que vu qu'on a terminé avec un phrasé un petit peu latino dans l'idée, on va pareil aller choper la 9e du mi ici, donc dans la 4e position de la pinta. On va choper sa 9e et tourner autour chromatiquement, puis pareil pour la quinte. Tout ça dans le but de remonter ensuite, on verra, sur un lick de pinta à 3 notes par corde. Ok, ensuite le 3 notes par corde, là il va être important. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une extension. Donc vous aurez besoin du pouce bien derrière le manche, même plutôt un peu en bas selon le type de manche de votre guitare, etc. Donc tout bêtement, on va partir de notre position ici, donc la première position à l'octave du mi, et puis on va aller relier toutes les notes en legato et en hybrid picking ici, vous verrez dans l'exemple. Tout bêtement, on va relier toutes les notes entre elles pour former un espèce de phrasé très fluide et un petit peu plus aérien que les classiques de la pinta. Ok, donc ensuite on va enchaîner avec un phrasé très chromatique pour arriver sur cette couleur altérée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de la sixte mineure de notre mi, donc le do, et puis on va tout bêtement chromatiquement ici aller d'une seule attaque main droite, aller relier ça à la tierce mineure de notre mi tout en haut pour finir sur la tonique altérée. Donc voilà pour le phrasé chromatique. En plus, vous avez de quoi ensuite redescendre sur votre pinta altérée ici. Et on va finir avec un... On va continuer plutôt avec un espèce de phrasé très très classique de la pinta, mais qu'on va justement modifier après pour arriver sur notre pinta altérée et terminer ça. Et comme ça, ça nous permet de finir sur un mi mineur 9, tout bêtement, qui résout. Donc on alterne toujours entre le premier et le cinquième degré dans cet exemple-ci. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve une prochaine fois dans Guitare Extrême.